La femme de Hama Amadou a exercé son droit de vote ce 21 février 2016 dans la capitale Niamey. Elle a voté à 9h50 dans le quartier Nyantala. Zeinabu Hama a également voté par procuration aux législatives et à la présidentielle pour son mari en détention. Le candidat du Modène Faloumana est en lice pour ces différents scrutins. Le message que j'ai à lancer à l'ensemble du peuple, je leur demande de sortir massivement pour sanctionner ce régime. Ce régime dont le mode de gestion du pouvoir et le mode de gestion de la gouvernance ne répondent pas aux aspirations profondes du peuple. Seini Oumaru, chef de file de l'opposition, de son côté, s'est rendu à Kouarakano, Sonusi, à Niamey, pour accomplir son devoir. Il était accompagné de son épouse. Ils ont voté dans le bureau 074 vers 11h35. Je vous assure que ce que j'ai vu m'a beaucoup réconforté et ça me donne beaucoup d'espoir. Donc pour moi, je suis très réconforté d'abord, en tout cas par rapport à la campagne que j'ai effectuée, et je garde un espoir certain. Ce que la CENI, à mon avis, doit essayer de faire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude. S'il arrive, c'est tant mieux. Et dans la mesure du possible, en tout cas, nous, nos militants, nous leur avons dit, vous allez voter dans la sérénité, hein, vous respectez les textes, les dispositions des textes en la matière, hein, et le reste, Dieu fera. Rappelons que les résultats provisoires sont attendus au plus tard dans 3 jours, selon la Commission électorale nationale indépendante.